monsieur qui s'appelle, qui est pris sa retraite maintenant, qui s'appelle Pierre Richard. Il est dirigeant. Et je me souviens que c'était très drôle, je le mentionne, c'est créable, il ne comprenait absolument pas. Quand il nous a distribué dans les personnes, il demande qu'il dirige du bonheur, il s'en prend, je ne sais pas chez moi. Ça ne l'intéressait absolument pas, et je crois que c'est nous qui sommes arrivés. On était dans la communauté de la table, c'est des personnes, un monde. Mais il faut répondre à la question que je posais tantôt. Dans mon cas, moi, étant un fan de la théorie originale, c'est un peu le contraire de l'intégration. Je voyais déjà dans l'âge ce que ça avait. Dans le monde, le choc que tu réponds, je me suis dit. Mais ça va pas tout le temps, ça va être la quatrième année. Peut-être, mais moi, je suis arrivé à la quatrième année. Pour ma vie à moi, quand je suis arrivé là, ça faisait déjà, je pense, 5 ou 6 ans que ça jouait, et on était une année ou deux en retard sur le doublage. Donc, pour moi, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai dit, ok, c'est ça, je peux pas voir que je suis pas là. On est à jour. On est à peu près à jour. Je pense qu'on a entamé dernièrement la tête. Il y avait rien de puis aussi au Québec, on n'est pas habitué d'avoir des dessins animés qui sont en Québec, comme ça peut être à part des pirates, on est habitué d'avoir des mémoire, mais dans le cas de, hier, je parlais de ce moment-là, j'en
sorti un spécial Noël dernièrement. Ils vont sortir un spécial Noël. On est appelé à faire des voix là-dessus. Moi, j'avais un petit rôle de film, je ne sais pas trop en tout cas. J'ai fait ça il y a 4 ans. Et là, j'arrive en studio, on monte le truc, et le directeur va me dire, je me souviens de la voix que j'avais là-dessus. On ne comprend pas, on en fait, je ne sais pas, 30, 40 fois, ça l'a fait. Dans les films, c'est assez massif, la quantité de travail que vous faites, et le peu de temps de préparation. De chaque projet. Oui, parce que, tu sais, on ne fait pas tout le temps des premiers rôles, des deuxièmes rôles, mais on fait souvent des personnages, des petits rôles. Fait que dans une journée, comme disait Martin, on peut, en une journée, le matin, faire une petite idée, après ça, faire un gars qui s'est tiré dans une petite action, après ça, faire un bonhomme, je ne sais pas, Johnny Depp, après ça, faire un petit panda, faire whatever. Fait que, effectivement, on est. Je pense qu'on s'en souvient pas nécessairement. Qu'est-ce qui vous a fait l'année entre le cardio, qui était de l'année, et le personnel réel du film? C'est assez différent. Une liberté en dessin animé, comme le disait Martin hier, qui fait que le langage, on appelle quand il dit la personne, et on a cette contrainte de l'interprétation, bien sûr, mais. Comme disait Martin, c'est-à-dire que le visage, même quand il parle pas, il ne s'exprime pas avec les mots, il parle énormément. Donc, on peut pas se défendre de la marge de manœuvre. Et c'est quoi avec un visage? C'est pas le soutien que la voix. La non, il y a quelque chose dans le visage aussi que tu vois, tu respectes quelque chose dans le. Et dans le dessin animé, ben là, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. Fait que tu peux donner une intention. C'est pas nécessairement celle qui s'en allait, mais qui fonctionne pareil. On peut se permettre de délirer. On peut délirer pas mal plus. Non seulement dans notre interprétation, mais je pense que ce qu'on attend de nous en animation est aussi plus proche du délire que bien des films de live action qu'on va faire. C'est sûr que bon, il y a de l'exploration au niveau du live action qui nous amène, surtout avec le 3D maintenant, là, avec Avatar, je pense que des trucs pour ce qui est dans la chaîne, on est pas ailleurs. On est ailleurs, mais je veux dire, si on regarde les Simpsons, c'est quand même hallucinant, il y a juste en animation une famille, un bébé qui peut avoir le même âge pendant 21 ans, c'est la beauté de l'animation. Il y a tellement d'affaires qui n'ont aucun sens et personne ne les explique, personne ne les justifie. Et l'autre chose que j'ai mis en tête, c'est qu'il y a une continuité en animation. On ne s'attend pas à ce que la scène suivante soit la suite de ce qui soit passé. Non, c'est n'importe quoi. C'est tout le monde ouvert, une fenêtre ouverte sur la vie. Sur la création. Ça s'arrête là. Que le délire est vraiment infini. Parce que j'ai remarqué dans les premiers épisodes, il y avait tout le retour au statu quo, mais on dit on tout s'arrête. Oui, exactement. Il y a des épisodes où ils sont poignés sur l'île à la fin. Ah, tout le monde trouvé par. Mais oui. Exactement. On conclut ça comme ça. Et si on avait ça en scénario, en blockbuster américain, tout le monde est architecte. Ah ouais. On n'est pas habitué à ça dans la faction, en animation, ça gêne personne. Donc, au niveau de la technique, au niveau de doubler, lire une bande, nourrir en place, interpréter un texte avec émotion, la technique est la même. Mais comme disait Hugo Lem, je pense que la liberté qu'on peut se donner de s'éloigner de l'original est beaucoup plus grande dans l'animation qu'en live action. En live action, on essaye le plus fidèlement possible de donner au public accès à la version originale dans une autre langue. J'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Je vais vous parler de ça hier. La réalité de certaines écoles.